Je suis Ndri Louis, technicien à l'Institut Pierre Richer de Boaké. Je suis dans l'unité de recherche sur la trypanosomiase humaine africaine, la maladie du sommeil. C'est une maladie parasitaire transmise par une mouche très particulière, la glossine, qu'on appelle mouche tsetse. Cette mouche se nourrit uniquement de sang, avec sa trompe qui lui permet d'aspirer le sang, elle injecte des parasites, les trypanosomes. Ce sont de minuscules vers qui très vite se reproduisent par dizaines de milliers. La fièvre s'installe, des ganglions grossissent, puis apparaissent des douleurs aux articulations et bientôt les parasites envahissent le cerveau. Le malade passe ses journées à dormir, mais ne dort plus la nuit. Il semble devenu fou. Sans traitement, il tombe dans le coma et meurt. Avec mon équipe, je vais de village en village dépister et soigner les habitants. Pour que nous soyons bien accueillis lorsque nous arrivons, et que surtout les gens viennent se faire dépister, il est très important d'expliquer ce que nous faisons. Nous prélevons un peu de sang. Si des petits points noirs apparaissent, alors la personne est positive au test. Nos efforts ne s'arrêtent pas là. Pour limiter le risque de transmission, nous nous occupons aussi des mouches qui sont les vecteurs de la maladie. Les scientifiques se sont aperçus que la couleur bleue attirait les mouches tsetse. De là est née l'idée de fabriquer des pièges avec du tissu bleu imprégné d'insecticides. Grâce à tous ces efforts depuis des années, nous maîtrisons ce qu'on appelle le réservoir humain de parasites. Il y a de moins en moins de gens infectés. Il y a donc de moins en moins de chances qu'une mouche soit infectée à son tour quand elle pique un être humain et qu'elle aille transmettre la maladie à d'autres personnes. Alors justement, pour ces zones éloignées de tout mais concernées par la trypanosomiase, nous formons le personnel médical au dépistage des signes de la maladie. C'est ce que nous appelons la surveillance passive. Le principe consiste à dépister la maladie chez des gens qui se sentent malades et qui viennent eux-mêmes consulter. C'est progressif, c'est dur, mais c'est progressif, c'est lent, mais c'est progressif. Parce qu'au départ même, elle ne pouvait pas se laver. Et puis elle n'arrivait même pas à laver ses habits. Et ça aussi, vraiment, dans ces temps, elle arrive à laver ses habits. Vraiment, en tout cas, ça c'est une progression. Sinon, il y a de l'amélioration. La santé, il y a de l'amélioration. Avant, elle ne pouvait pas courir, mais maintenant, elle court même, elle se dépêche. Alors, vraiment, ça, c'est une progression. L'amélioration, ça. Elle est toujours contente. Elle est toujours heureuse. Toujours. Ce qu'elle n'aime pas, là où on fait des histoires, elle n'aime pas. Elle veut toujours que les gens soient heureux. Quand tu vois, mais quand je suis assise, quand je suis triste, elle vient. Maman, pourquoi tu es triste? Je sais que c'est à cause de moi que tu es triste. En même temps, non, j'ai dit non, c'est pas à cause de toi. Bon, mais Prisca, c'est un miracle de Dieu. Parce que personne ne se croyait, ne croyait que Prisca pouvait vivre. Mais aujourd'hui, elle va à l'école. Et là, vraiment, c'était pas facile parce que sa maman qui était découragée. Mais l'équipe Tripano qui voulait sauver la vie de cette fillette a mis tout le paquet. Tout le paquet nécessaire pour qu'elle vive. Pour moi, ça veut dire que quelque part, l'équipe Tripano a fait un grand travail. Est-ce qu'il n'y a pas un terme technique pour... L'OMS vient de valider l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine comme problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, à ce stade, la lutte contre la trypano s'apparente à une course de fond. Ce sont les derniers mètres qui sont les plus difficiles à parcourir. Prisca a terriblement souffert pendant 3 ans avant de pouvoir être diagnostiquée et traitée parce qu'avec la diminution du nombre de cas,
les agents de santé et les communautés ne ressentent plus la maladie comme une menace. Nous, au ministère de la Santé, avec tous nos partenaires, nous devons poursuivre la lutte. Notre objectif, c'est l'interruption de la transmission. Cette maladie, c'est une très mauvaise maladie. Une très mauvaise maladie, vraiment. Si tu n'es pas vigilant, ta vie bascule même. Soyons vigilants. Si ça ne va pas, il faut faire le test, le dépistage. Moi, ma vie a basculé lorsque ma fille a contracté cette maladie. J'ai dit vraiment merci. Un grand merci du fond du cœur à l'équipe Tripano. Cette équipe ne m'a jamais abandonné. Depuis le début jusqu'à maintenant, ça peut faire près de 3 ans comme cela. L'équipe Tripano est toujours avec moi. Et cette fille n'est pas la dernière. Il y a encore des poches résistantes. Je suis retraité, mais tant que j'ai la force, que la Tripano existe, j'existerai. Tant que je n'ai pas vu la fin de la Tripano, je ne peux pas m'en aller. Voilà. Je demande pardon à tous nos patrons pour mettre les gens sur le terrain pour que nous nous battons pour effectivement réussir à combattre cette maladie. Parce qu'il y en a encore. Il y a des résistants qui sont là encore. Il y a des poches cachées, mais aidez-nous à débloquer cette situation. Sinon, la maladie ne peut pas... Si on dit c'est fini, d'accord, mais il y a encore des poches de résistance. Papillon, voli, voli, voli. Papillon, voli, voli. Si tu ne sais pas voler, les enfants vont t'attraper. Papillon, voli, voli, voli. Papillon, voli, voli, voli. Si tu ne sais pas voler, les enfants vont t'attraper. C'est fini.